Le doc est là pour décrypter l'actualité. Oui, j'ai pas mal de mois de retard. Mais oui, j'ai des choses à faire. Je suis pas qu'un chômeur. J'ai des choses à faire dans ma vie. Donc aujourd'hui, on va parler de Princesse Teke et son big de UBA. Oui, je suis en retard, je sais. Mais faites pas chier, c'est ma vidéo, je décide. Si vous voulez connaître mon avis, restez jusqu'au bout de la vidéo. Let's go, vidéo. Ok, pour ceux qui ont oublié, on va pas refaire l'histoire. Allez checker le live de Badeko en chef et vous saurez tout. Moi, là, j'essaie juste de comprendre comment cette histoire de sexe, de pognon et de trahison vu voir le jour. Bon, petite présentation de Princesse Teke. Princesse Teke, a.k.a. Mais je connais pas son petit nom. Mais c'est pas grave. C'est une influenceuse gabonaise qui a près de 50 000 abonnés sur Instagram. À l'échelle de Beyoncé, c'est peut-être rien, mais à l'échelle du Gabon, c'est la ville de Moanda. Oui, ou encore la capacité du stade de l'amitié. Et autant dire que ce n'est pas une petite influenceuse. Elle a commencé à buzzer, à se faire un nom dans la stratosphère des stars gabonaises. Il y a quelques mois encore, la petite a dévoilé le visage de son beau gosse pour faire rager les jalouses. Oui, les filles, vous avez coché, vous avez kiffé, il était classe, il était élégant, surtout quand il mettait ses petites chemises cintrées. Mais récemment, c'est le drama, le drame. Bing boom bang, ça s'est cassé. Le couple si parfait s'est retrouvé sous les feux des projecteurs. Partout sur la toile, chacun y allait de son avis. Après, c'est normal vu la somme colossale détournée par le couple. On parle de près de 19 millions. Putain, si j'avais 19... Non, restons sur le chemin. Le rêve était brisé, le couple était tombé, le soleil était couché et les fleurs avaient fané. Oui, toutes ces métaphores pour dire que bah ça s'est mal passé pour eux. Mais ce qui me désole, c'est que pas mal de mecs disent « Ouais, c'est Princesse Teke, c'est de sa faute, elle a influencé le mec. » Sauf que d'après de nombreux retours, Princesse Teke, elle n'était pas vraiment au courant de la petite combine. Elle se contentait de toucher le pognon, je sais, c'est pas mal. Et c'est une complicité implicite. Mais on se calme. Vous connaissez l'expression péter plus haut que son cul ou encore à trop vouloir voler près du soleil? Je ne dis pas que Princesse Teke était une bombe ou un canon de beauté. Ni Nicki Minaj ni Rihanna, loin de moi cette image, oh que le dieu me vienne en aide. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété et qui a un style de vie à défendre. Et quand vous vous mettez en couple avec ce genre de femme, croyez-moi, vous devez assurer. Je ne dis pas que je suis sorti avec ce genre de femme, non, je suis trop modeste pour ça. Tu te considères tellement chanceux que tu as envie de tout faire pour montrer que tu peux être l'homme qui la comble. C'est une combinaison de deux processus. Faible estime de soi et comparaison sociale ascendante. Oui, j'ai fait des recherches. Oui, le doc, il en connaît un peu, il a un petit bagage, il a un petit niveau. Alors taisez-vous les rageux. Faible estime de soi parce que le frérot, bah, il souffrait clairement du syndrome de l'imposteur. Le bouc se sent illégitime. Et malheureusement, dans cette situation, on a toujours tendance à se comparer aux autres, à ses potentiels rivaux, aux autres couples de même niveau. Ce qui a potentiellement poussé le frérot à faire cette dinguerie. En voulant être le couple le plus glorieux, il s'est brûlé les ailes. Vous avez vu le jeu de mots? Moralité de l'histoire, trouvez-vous des meufs à votre niveau, les frérots. Je sais que le slogan One Life est hyper tendance actuellement, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Quand je vois ce qu'est devenu le frérot, je me dis, vas-y, trouve-toi une meuf bien, mets-toi en couple, et vis ta petite vie au calme. Alors, c'était le doc. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, les rageux. Peace.